Amis, entends-tu le vent noir des corbeaux sur les plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ici Londres, vous allez entendre des informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. J'ai évidemment travaillé sur les élites dans les années 30 ou spécifiquement les élites financières pendant l'occupation. Là, j'ai pris finalement toutes les élites françaises par grands groupes et j'ai essayé de voir comment ces élites se sont adaptées aux vainqueurs successifs. C'est-à-dire que on est dans un pays où, comme en Italie, les classes dirigeantes ont tendance à compter sur un tuteur parce que, tant sur le plan économique que politique, ça leur semble la seule solution jouable. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. La Et donc j'ai fait un classement par catégorie, comme Marc Bloch l'avait fait, mais en y ajoutant par exemple le haut clergé dont on ne parle jamais, ou l'armée. Et puis j'ai montré catégorie par catégorie, et dans des catégories pas habituelles, que la collaboration, ça a des effets mortels pour, je dirais, absolument toutes les catégories. Quand on collabore avec les Allemands, on ne collabore pas jusqu'au sang simplement quand on est homme de main. On le fait, je dirais, à peu près partout, du haut clergé à la grande bourgeoisie financière, en passant par les hommes politiques à la Laval et les journalistes à la Brinon, comme disait Marc Bloch. La paix est nerveuse. Nous disons, la paix est nerveuse. J'ai montré qu'ils n'étaient pas simplement collaborateurs de plume, que quand on était collaborateur de plume sous l'occupation, on était aussi complice direct et parfois d'ailleurs absolument direct des tortionnaires. La bibliothèque est en feu. Et puis, dans une deuxième partie sur les États-Unis, j'ai montré comment, sur le plan chronologique, s'était faite l'adaptation à ce nouveau tuteur. Amis, entends-tu le vent noir des corbeaux sur les plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ici, Londres. Vous allez entendre des informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.